Où que vous soyez ce matin, nous vous invitons au voyage, à la découverte de contrées, de lieux que vous ne connaissez peut-être pas encore, ceux de l'autre rive, celle qui est juste en face de vous, de l'autre côté, juste à côté. Ce matin, nous allons franchir des frontières traversant des cours d'eau en gardant les pieds au sec, parce que nous allons bâtir des ponts avec foi et avec confiance. Nous allons célébrer ce premier culte de l'Avent dans deux endroits simultanément, dans le temple de Saint-Gervais et dans le temple des Eaux Vives. Et cela grâce à Norberto et à Diego, qui nous emporteront grâce à leur talent sur les notes qu'ils feront voler, mais aussi grâce à la voix de Carolina Acuña, qui nous fera entendre la voix des anges, mais aussi grâce à Suyona, qui mettra tout cela en boîte afin que vous puissiez le voir, l'entendre et y participer. Alors Emmanuel et moi, nous vous conduirons sur ce pont afin qu'ensemble nous nous engagions sur le chemin de l'Avent, ce temps de préparation à l'irruption de celui que nous sommes invités à accueillir de manière nouvelle chaque matin, comme le disait Saint Augustin. Là où vous êtes, puissiez-vous y être sereinement, nous avec vous et vous avec nous. Car nous formons communauté, même à distance. Nous serons certes dans deux temples, mais nous donnerons forme à une seule Église, celle dont la tête est le Christ. Soyez les bienvenus, vous qui nous accueillez. Le temps de l'Avent, c'est le temps de la préparation. Mais cette année, rien n'est comme avant. Alors Seigneur, nous te le demandons, rappelle-nous que nous préparer, c'est accueillir en nous tout ce qui peut advenir dans notre vie et l'accepter non comme une fatalité, mais en essayant d'en découvrir le sens. Nous préparer, c'est accepter de nous laisser bousculer par les imprévus, par les appels des autres, en nous invitant à repenser nos manières d'agir. Nous préparer, c'est faire de la place en nous, en laissant l'inutile et le superflu pour donner une plus grande place à l'essentiel. Nous préparer, c'est mettre notre cœur en éveil, à l'affût de tout ce qui peut nous convertir en profondeur et réveiller notre espérance. Nous préparer, c'est nous risquer à Dieu, avec tout ce que cela signifie d'étrangeté et de surprise. Aide-nous, Seigneur, à nous préparer à la rencontre. Amen. Dans notre attente, livrons-nous afin aussi venir l'époux, le Dieu vivant nous tient parole. Il vient à nous, il nous console. Nous attendions.
Seigneur qui viens, tu es à la fois fragile et fort, secret et lumineux. Tu m'échappes et je te trouve, Dieu insaisissable, inimaginable. Toi, le Dieu très haut, tu te fais proche dans le silence de notre prière et dans le quotidien de notre vie. Seigneur qui viens, nous avons besoin de ta grâce, même pour t'attendre, car la fatigue et la lassitude nous guettent. Écarte de nos pensées toute peur, toi qui es notre refuge. Aide-nous par ton pardon et ton soutien à faire face aux incertitudes du temps présent. Seigneur qui viens, rends-nous plus fermes dans notre foi, plus confiants dans notre espérance, plus actifs dans notre engagement. Par ton pardon et ta paix, donne-nous d'avancer avec sérénité dans ce temps de l'Avent. Amen. Il est, frères et sœurs, une parole certaine et digne d'être reçue avec pleine confiance. Le Seigneur vient. Il vient à notre rencontre. Par son pardon, il nous relève de tout ce qui nous accable et ouvre devant nous toujours un chemin de vie. Entrons dans ce temps de l'Avent en hommes et femmes pardonnés. Amen.
Nous lisons dans le livre des Psaumes. À jamais, Seigneur, ta parole se dresse dans les cieux. Ta fidélité dure d'âge en âge. Tu as fixé la terre et elle tient. Selon tes décisions, tout tient jusqu'à ce jour, car l'univers est ton serviteur. Si ta loi n'avait pas fait mes délices, j'aurais péri de misère. Jamais je n'oublierai tes préceptes, car par eux tu m'as fait revivre. Je suis à toi. Sauve-moi, car j'ai cherché tes préceptes. Des infidèles ont espéré me perdre. Moi, je reste attentif à tes exigences. À toute perfection, j'ai vu une limite, mais ton commandement est d'une ampleur infinie. Amen. Puis nous lisons dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 12. Tu diras ce jour-là, « Je te rends grâce, Seigneur, car tu étais en colère contre moi, mais ta colère s'apaise et tu me consoles. Voici mon Dieu sauveur, j'ai confiance et je ne tremble plus, car ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Il a été pour moi le salut. Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut et vous direz ce jour-là, rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom, publiez parmi les peuples ses œuvres, redites que son nom est sublime. Chantez le Seigneur, car il a agi avec magnificence. Qu'on le publie par toute la terre. Pousse des cris de joie et d'allégresse, toi qui habites Sion, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Amen. C'était il y a longtemps, très longtemps même. En des temps où ni le GPS ni les cartes cartographiques n'existaient. Un temps où les hommes naviguaient sur la terre à l'aide d'instruments qu'ils croyaient provenir de Dieu. Ce qui leur permettait de croire qu'ils ne se perdraient pas dans leur vie ou leurs ambitions, leurs rêves ou leurs projets. C'était il y a longtemps. Et là, dans ces temps qui étaient reculés, il y en avait quatre hommes. Quatre hommes qui ne se connaissaient pas, qui ne savaient même pas, parce que rien ne leur permettait de le supposer, qu'ils n'étaient pas uniques, même s'ils le croyaient, fermement. Parce que, en fait, on croit tous qu'on est unique. Le premier vivait au sud de tout, en des contrées qui sont chaudes, très chaudes,
pour beaucoup. Là où le soleil ne finit pas, là où le soleil finit par immanquablement vous brûler. Il était un homme qui était avisé et sage. Il était lent à la colère et il était prudent dans ses jugements. Il était respecté par tous et toutes pour sa sagesse. Peut-être parce que la chaleur vous invite non à la précipitation, mais bien plus à prendre du temps, celui de la réflexion, tellement il est écrasant, ce soleil. Le second, il vivait à l'Est, là où les hommes vivent dans de grands palais, de ces palais où il y a plus de portes et de fenêtres qu'il n'y a de murs, avec des balcons, afin de pouvoir voir ce qui doit demeurer en bas et qu'on ne saurait que contempler depuis en haut. Il était réputé pour être un grand mathématicien. Il était méthodique et rigoureux dans la préparation de ses projets, mais aussi dans la résolution de chacune des équations qu'il se posait. Le troisième vivait au nord, en des contrées froides et sombres, à qui le vent et la neige donnaient sans cesse une forme nouvelle. Peu s'y aventuraient, par crainte de glace, ce qui glace l'esprit et l'âme. Il vivait entouré des siens, qui lui reconnaissaient la sagesse de savoir préserver les siens et de les rendre assez forts pour affronter les frimas d'un hiver qui était sans fin, surtout quand l'aujourd'hui ressemble immanquablement à ce qui était hier. Et le quatrième, lui, vivait à l'ouest. Là, il régnait sur un royaume que seule la mer, à moins que ce ne soit l'océan, semblait borner. Les colonnes d'Hercule, comme le disait Platon, quand bien même cette ultime borne était bien au-delà du territoire sur lequel ils ne cessaient d'aller et de venir, afin d'en tirer ce qui leur permettait de subsister, de vivre insouciant devant l'immensité, celle qu'ils croyaient pouvoir gérer. Quatre. Ils étaient quatre. Quatre sages à leur manière. Un jour, ces quatre ont reçu un message, un appel. Certains disent que c'était un songe. D'autres disent que c'était une révélation. D'autres encore disent que c'était un appel divin. D'autres enfin disent que ce n'était que des fadaises, vous savez, des hallucinations. Toujours est-il que ces quatre en même temps ont reçu quelque chose qui les a mis en marche. Car ce quelque chose disait en substance, voici, je t'ai appelé à faire de grandes choses. Je t'ai appelé pour aller vers la terre que j'ai préparée pour toi et les tiens, mais aussi ta descendance, qui sera nombreuse. Je t'ai appelé afin d'annoncer la naissance de la vie, et je serai avec toi sur ton chemin, sur ta route. Dès lors, va, où je te dirai d'aller. Voilà, c'est ce que le message qu'ils avaient reçu disait. Alors le premier, qui était avisé et sage, prudent dans ses jugements, demanda à ses conseillers d'authentifier le message. Il voulait connaître l'auteur de la missive avant qu'il ne commence à préparer ses bagages. Le deuxième, méthodique et rigoureux. Dans l'analyse de ses projets et de ses équations, le deuxième prit le temps. Il prit le temps de voir s'il n'y avait pas un quelconque anagramme ou un pictogramme ou peut-être un mystère qui ne se cacherait pas dans ce message. Mais il prépara ses bagages. Le troisième ne se posa aucune question. Aucune. Il prépara la valise, sa valise. Et puis il mit dans sa valise quelques babioles supplémentaires. Et après avoir dit à tous les siens, à bientôt, il partit d'un bon pas. Le quatrième, après la réception de cette missive, de cet appel, de cette fadaise selon certains, fit poser les bancs pour une grande fête afin d'annoncer son départ.
Alors chacun s'est préparé pour ce voyage, tous et toutes, de manière bien différente. Et puis le jour est venu, et ils partirent. Le premier avec tout ce dont il était certain d'avoir besoin pour ce long voyage. Le second avait analysé ses besoins en fonction de savants calculs. Il se mit en marche avec ce qu'il avait calculé, l'importance dont il devait bénéficier pour cette longue route. Le troisième partit avec pour simple bagage quelques cadeaux pour... Il ne le savait pas, mais il fallait simplement qu'il les prenne avec. Le quatrième se réveilla avec une conscience aiguë de l'enracinement de chacun de ses cheveux dans sa tête. Heureusement, ses bagages avaient été préparés par d'autres qui ne savaient pas où ils devaient aller. Et les quatre se mirent en marche. Vers où ? Vers la Genèse. Cette Genèse qui allait reprendre là où un jour il renaîtrait. Alors ils ont marché. Ils ont marché longtemps. Ils ont traversé des contrées dont ils n'avaient même pas pu imaginer dans leur rêve le plus fou, dont ils n'avaient même pas pu supposer qu'ils puissent exister. Ils ont marché, marché et encore marché jusqu'au jour où les quatre se sont arrêtés, parce qu'en fait, ils ne savaient plus dans quelle direction ils devaient aller. Le nord était devenu le sud et l'est était semblable à l'ouest. Le soir se levait sur les quatre en même temps. Ils n'étaient pas loin les uns des autres, mais en fait, ils ne le savaient pas, du moins pas encore. Et chacun se demandait là où il était, pourquoi ? Pourquoi ai-je entrepris un tel voyage ? Pourquoi être parti ? Pourquoi avoir quitté ma patrie, ma famille, ce en quoi se fondent mon confort, mes certitudes ? Pourquoi partir vers une direction dont j'ignore même quelle elle est ? Aucun des quatre ne le savait. Et tous les quatre s'endormirent en paix. Alors la nuit se leva, sombre, noire. Noire comme le sont les nuits qui tentent d'enfermer la moindre des clartés en ses raies. Et la nuit se leva comme pour mieux écraser le monde devant ses ombres. Mais le lendemain, il y eut un miracle. Vous savez, une de ces choses qui se passe et dont vous ne pouvez rendre compte ni rationnellement, ni même raisonnablement, ni par les mathématiques, ni par la science, ni par votre insouciance, ni par votre sagesse. Le matin, il y avait dans le ciel un soleil qui s'était levé, majestueux comme tous les matins, presque. Un soleil qui annonçait un jour qui était nouveau, un jour lumineux, chaud et rassurant pour les moissons automnales prochaines, un soleil qui promettrait une belle récolte de blé, d'orge et de seigle. Bientôt, les greniers seraient pleins, assurément. Plus besoin de se soucier du lendemain. On pourrait désormais vivre comme les oiseaux. Un soleil brillant qui brillait plus fort que jamais. Mais ce que l'ensemble des quatre n'avaient pas vu jusqu'à présent et qu'ils découvrirent ce matin-là, peut-être parce que leurs yeux s'étaient enfin dessillés mystérieusement, miraculeusement, c'est que juste à côté de ce soleil, il y avait une petite lumière. Juste à côté de ce lumignon qui avait été créé par Dieu il y a longtemps de cela, il y avait quelque chose qui brillait, tout petit, trop petit pour effacer la lumière du soleil, mais en fait assez fort quand même pour être visible, même à côté du soleil. Alors les quatre devant un tel spectacle, les quatre se remirent en marche.
Mais comme vous le savez, trois prirent le parti de suivre cette petite lumière dans un ciel que remplissait le soleil. Et l'autre, il prit un autre chemin. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que les trois de mon compte ne sont pas ceux qui vont arriver là où vous croyez qu'ils devaient arriver. Alors demeurent deux questions, juste deux. Certes, il y en a beaucoup d'autres, mais ce sont les deux seules qui sont importantes en ce premier dimanche de l'Avent. D'abord, vous, là où vous êtes, dans quelle mesure êtes-vous prêt à vous mettre en marche, en chemin, sur le chemin de l'Avent, afin de suivre cette lumière qui fait de nous, de chacun et chacune d'entre nous, une lumière, celle de l'Évangile. Et la deuxième question, tout aussi fondamentale, que faisons-nous de celui qui, sachant l'étoile briller, préfère suivre le soleil? Amen. Thank you.
Je vous invite à la prière. Partenaire avec toi, Père, nous t'adressons notre prière pour que la nuit ne l'emporte pas, pour qu'au pays de l'ombre, des raies de lumière transparaissent et guident les pas de tous les chercheurs et chercheuses de sens, de paix et de fraternité. Partenaire avec toi, Père, qui a l'audace de croire en notre aventure humaine et qui remet entre nos mains ton espérance, nous te prions pour tous ceux et celles qui sont là dans nos pensées et nos cœurs, les boiteux qui ont du mal à suivre, les aveugles qui s'égarent, tous ceux que la vie a blessés, les muets qui depuis toujours ont appris à se taire. Mais je le sais, leur place est la première auprès de toi. Pour eux,
Seigneur, je te prie, comme je te remets tous ceux et celles qui sont angoissés par cette période, ceux et celles qui sont atteints dans leur santé, qui ont perdu des êtres aimés, ceux et celles qui redoutent l'avenir ou la précarité. Viens essuyer leurs larmes, renouvelle leur espérance, enrichis-les, enrichis-nous de ta paix. Alors ensemble, nous te disons cette prière que tu nous as enseignée, celle qui rassemble toutes nos prières silencieuses là où nous sommes. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur de la nuit, Dieu de lumière, visite mon étable obscure. Prépare en moi un lieu de naissance pour que Noël ait lieu malgré l'incertitude du temps présent, malgré cette pandémie. En ces jours d'avant, face aux craintes et aux inquiétudes, rappelle-nous que l'espérance, faible graine de lumière, a été semée une fois pour toutes dans notre monde. Seigneur de la nuit, Dieu de lumière, visite mon étable obscure. Amen. Il est des certitudes qu'aucune certitude humaine ne saurait jamais combler. Il est des affirmations scientifiques qui ne sont valables tant que leur contraire n'ont pas été affirmés. Il est des rumeurs qui courent comme des lapins et que la vérité avec un V majuscule finira un jour par annihiler. Il est une grâce qui nous est donnée, celle de se savoir aimer et pris en compte tel que nous sommes, sans jugement et surtout sans condamnation. Cette grâce, elle nous est donnée. Non, elle nous est offerte gratuitement et sans condition. Par Dieu le Père, par Dieu le Fils, par Dieu l'Esprit. Allons en paix et franchissons les ponts qui nous permettent de nous rapprocher les uns des autres. Allons en paix. Amen. Amen.